Salut les filles, donc je vais vous montrer comment mesurer ses cheveux. J'ai eu beaucoup cette question et je pense qu'il est mieux d'expliquer par vidéo parce qu'avec des images, bon c'est bien, mais je pense que le top c'est de le faire ensemble avec un ruban. Donc un maître de couture ou si vous n'avez pas, vous prenez une ficelle, vous prenez un stylo et vous allez faire la marque au niveau de où ça s'arrête. Et ensuite avec une règle, mesurer petit à petit combien ça fait. Donc on va partir à la base du front jusque dans le dos. Parce que si vous prenez genre une mèche ici, au niveau de l'oreille, vous n'êtes pas sûr de reprendre à chaque fois la même, ce qui va fausser à chaque fois vos mesures. Donc c'est pour ça que cette façon-là est la meilleure, puisque vous prenez toujours du front jusqu'à la pointe. Donc comme on a une frange, on va la retirer et bien mettre là à la base du front. Voilà. Je vais me mettre sur le côté pour vous voyez. Voilà. Et donc on va aller jusqu'à la pointe la plus longue qu'on va étaler sur le mètre ruban. Et ensuite je prends mon point et je trouve 76,5. Donc voilà, rien de plus simple. Ça va vous permettre de voir à peu près de combien vos cheveux ont poussé chaque mois. Et voilà, par curiosité peut-être, si vous avez envie. Et donc moi je trouve que c'est la meilleure des mesures, c'est celle qui me convient le mieux. Je le fais de moins en moins parce que les photos sont assez démonstratrices, mais vous pouvez aussi vous en servir, j'utilise une fois de temps en temps. Voilà, donc j'espère que la méthode aura été claire. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser au niveau du blog ou sur la page Facebook. Et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Salut!